Mesdames, messieurs, bienvenue dans 60 minutes économie, tous les jeudis 13-14 heures, l'émission économique qui aborde des aspects de l'actualité brûlante. Ramadan connaît logiquement et naturellement une consommation exceptionnelle en produits alimentaires, mais pas tous les produits. Certaines filières ont plus la cote et du succès que d'autres, qui exigent d'ailleurs des producteurs de doubler, voire tripler leurs produits. De même que pour les produits agricoles, les légumes nécessaires, les plus utilisés dans la cuisine ramadanesque, sans plus demander que d'autres. Alors, nous allons savoir quelle est l'incidence du mois de Ramadan avec la consommation sur la croissance des entreprises, et pas toutes les entreprises. Pour discuter de ce sujet, nous avons au studio M. Mohamed Amoukra Nouad, expert industriel ou expert dans les industries agroalimentaires, M. Abdel Habziani, président de la CIPA, la Confédération des industriels et producteurs algériens, au téléphone, et M. Tarek Boulmarka de la vinaigrerie constantinoise et président de l'ANEXAL, l'Association nationale des exportateurs algériens, et puis M. Mohamed Hadef, Abdelrahman Hadef, économiste. 60 minutes économie, tous les jeudis de 13h à 14h. Question préliminaire d'introduction, quels sont habituellement les produits ou les filières? Cela dépend comment vous allez les identifier. Question que j'adresse à M. Mohamed Amoukran, expert en industrie agroalimentaire. Statistiques, analyses, observations, études, elles sont faites, elles ne le sont pas faites depuis tous les ramadans que les Algériens passent. Quels sont les produits les plus en vogue, les produits les plus fabriqués au mois de Ramadan et donc les plus consommés? Un décryptage. Bon, d'abord, bonjour, Ramadan Kom. Donc, je dis aujourd'hui, Ramadan, c'est les traditions, c'est les coutumes, c'est les plats. Et c'est les plats qui déterminent, c'est les plats qui déterminent les filières. Si on regarde de plus près quelle est la consommation Ramadan la plus courante à l'échelle nationale, si on voit la question nationale, vous avez besoin d'abord de tout ce qui est sorba, c'est du fric, c'est le fric qui est... Les pâtes. Les pâtes, le fric. Et vous avez également viande, la viande qu'on ne consomme pas généralement. Ramadan, on consomme de la viande. La viande est toujours présente au niveau de... Vous avez les légumes, tout ce qui est fruits secs, donc les fruits secs. Vous avez tout ce qui est légumes secs également, tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est... Également, vous avez tout ce qui est sucreries. Donc là, c'est les filières. Si je vois en matière de filières... Les boissons... Si on les résume en filières, vous avez donc la filière lait, céréales, viande, boissons. Vous avez tout ce qui est également l'huile et graisse. L'huile laitière également. L'huile et graisse. Ouais, et puis, vous avez également tout ce qui est sucreries. Donc, vous avez énormément donc, de produits qui sont soit vendus, soit fabriqués à la maison. Est-ce que réellement, il y a donc des entreprises, question que je vais adresser à tous les invités, Mohamed Hadef, M. Tarek Boulmarka, M. Mohamed Ziani. Et il y a des producteurs, hein, carrément des producteurs, et donc on dit filières, qui ont plus la cote, qui produisent plus pour Ramadan que d'autres qui carrément disparaissent des habitudes alimentaires des Algériens. Monsieur Mohamed Hadef, Abdelrahman Hadef, je ne sais plus avec votre prénom. Abdelrahman Hadef. Merci pour l'invitation. Effectivement, je continue sur ce que disait Monsieur Nouad. C'est aujourd'hui, le Ramadan, il est surtout considéré par un changement de mode de consommation. Donc c'est de la consommation qui change, et c'est une consommation quand même, c'est un changement quand même assez important en termes de qualité et de quantité. Parce que lorsqu'on voit ce qu'on est en train de consommer en termes de viande et de produits de sucrerie, c'est extrêmement important comme changement. Et je pense que effectivement, durant ce mois de Ramadan, il y a certaines industries qui reculent. Par exemple, pour les pâtes,
il n'y a pas une grande consommation pour les pâtes, par exemple. C'est pas une industrie, mais la filière aussi des produits, les légumes secs, pas, par pas exemple. Pas tous les légumes secs, voilà, pas tous. Hein. Mais il y a une les grande lentilles, partie, les pois chiches, pas les pois chiches. Les haricots. Les haricots, les haricots, tout à fait. Donc ça recule aussi. Mais il y a d'autres filières qui passent peut-être du simple au double, par exemple le sucre, par exemple les produits de semoule, les produits meuniers, tout ce qui est semoule et farine, ça consomme énormément au mois de Ramadan. Tout ce qui est l'huile aussi, c'est énorme. Et aussi la viande, qui c'est un peu l'invité de marque durant le mois de Ramadan. Mm-hmm. Peut-être il y a des familles qui le consomment rarement, mais pendant le mois de Ramadan, c'est indispensable pour le menu. Donc je pense que ces industriels s'adaptent aussi à ce changement de mode de consommation pour essayer de répondre aux besoins du marché qui fait un pic, si on peut le dire, durant ce mois. Oui, en parlant de pic, M. Abdelrahman Hadef, M. Boulmarka, qui est dans la vinaigrerie, M. Abdelwahab Ziani, qui représente le monde des industriels, vous allez nous confirmer d'abord ce qui se dit, et ce n'est un secret pour personne, pour savoir quelles sont les habitudes de consommation, quelles sont les filières et les produits et producteurs qui connaissent une croissance. Question à M. Mohamed Ziani au sein de votre corporation. Il y a des entreprises qui avancent, donc qui produisent beaucoup plus. Donc il y a un effort supplémentaire, un effort de production, il y a un effort de productivité. Comment cela se passe pour ces producteurs? Est-ce qu'ils produisent plus? Et quelles sont les filières les plus qui connaissent une croissance? Et est-ce qu'on peut parler de croissance? Tout d'abord, merci de me donner l'occasion de parler de ces produits. On en a parlé juste la semaine avant Ramadan. Je souhaite un bon Ramadan à tous les Algériens. Je pense que cette année, ça a été un peu particulier. Pourquoi? Parce que d'abord, le monde des industriels s'est préparé bien avant Ramadan. Nous avons été alertés par deux ministères, peut-être trois déjà. Le ministère du Commerce qui est toujours en alerte pour la veille de Ramadan. Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie. Effectivement, on s'est basé sur une stratégie tout à fait autre que les années d'avant. Pour la simple raison parce que les autres années, il y a eu autant de production. C'est autant d'Algériens qu'on a donné on a produit pour autant d'Algériens, pour 45 millions. Mais il y a eu trop de spéculation et les produits se sont dispersés un peu partout. Et donc, les filières qui ont été chargées le plus cette année, c'est la filière lait, qui est toujours en première position. Mm-hmm. Tout ce qui est donc produits laitiers. Donc, alhamdoulilah, les quotas ont été augmentés bien avant. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on tourne à peu près, il y a des laiteries qui tournent à 2x8. Il y a le secteur public qui tourne à 3x8. Donc, on satisfait largement la consommation. Et pourtant, il y a un peu d'excès parce que habituellement, le mois de Ramadan, il prend pratiquement à lui seul un trimestre de la consommation annuelle. Oui. C'est comme si qu'on avait. C'est le mois de Ramadan, c'est un trimestre de charge sur l'industrie. Pouvez-vous nous donner des indications, des pourcentages de croissance pour les filières? Bien sûr. Si par exemple, on parle de la filière principale qui est la filière lait. Habituellement, nous travaillons à peu près 6 à 7 millions de litres par jour. Hein. Et là, nous passons pratiquement à 12 millions de litres. Donc, vous voyez la différence. Donc, c'est énorme. Donc, le différentiel, il est à peu près pratiquement de plus de 45 à 50%. Ensuite, il y a aussi la filière pain, donc tout ce qui est pain, la farine, hein, donc tout ce qui est farine. Donc, aujourd'hui, le pain est aussi autant consommé que le lait. Il y a une surconsommation. Donc là, on passe de la consommation d'une unité à trois unités. Ça veut dire d'une baguette à trois baguettes. Donc automatiquement, on travaille beaucoup plus. Et ensuite, il y a tous les autres produits. Hein. Donc vous avez la filière boisson qui se classe parmi la quatrième. Entre-temps, il y a tout ce qui est pâtes. Donc les pâtes, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit mes collègues. Les pâtes sont consommées différemment en Ramadan.
Donc c'est vrai que c'est pas les spaghettis, mais c'est tout ce qui est donc vermicelle, tout ce qui est donc petites pâtes qui sont utilisées un peu partout dans les plats algériens. Elles sont aussi en troisième position. En quatrième position, nous avons bien sûr, quand je dis les boissons, le secteur des boissons, oui. qui explose pendant le mois de Ramadan, c'est un excès énorme. Jusqu'à 35% de croissance supplémentaire. Nous sommes à peu près à 40% aujourd'hui, à 40% sur le secteur des boissons. Donc c'est une surconsommation, sauf que, alhamdoulilah, cette année, nous nous sommes basés sur la consommation de l'année dernière. Et pratiquement tous les producteurs, je dis les producteurs, et je reviendrai après vers les agriculteurs parce que c'est eux les véritables producteurs. Ah oui, justement, c'est une question qui est réservée pour comprendre la supply chain, c'est-à-dire est-ce que la chaîne logistique, elle suit la cadence et la demande. Allez-y, monsieur. Écoutez, aujourd'hui je dirais que principalement, pourquoi je veux intervenir et je veux faire comprendre à tout le monde et aussi apaiser un peu les esprits de tous les consommateurs, que nous avons un surstock de production qu'on peut mettre à disposition de tous les Algériens. Le problème, c'est la supply chain. Vous l'avez dit aujourd'hui, c'est un point phare. La supply chain aujourd'hui, la distribution et les réseaux qui nagent dans des eaux troubles qu'on n'arrive pas à diriger. Et justement, par rapport à cela, il y a de la spéculation en prix. C'est pour cela que je voulais revenir pour dire... Je voudrais pas qu'on précède le déroulé, mais parce que c'est une question toute très importante. D'accord. Et on va lui réserver son temps. D'accord. Mais je voudrais quand même donner la parole à Monsieur Boulmarka pour cette prise, ce tour de table, Monsieur Tariq Boulmarka. Vous avez un produit, donc vous êtes dans le vinaigre très très utilisé. Comment on prend un cas de figure très concret, vous dans une industrie comme la vôtre, vous enregistrez également une croissance, qu'est-ce que cela exige pour un producteur de répondre à deux, trois fois plus, de fournir deux, trois fois plus de produits sur le marché national? Et comment est-ce que vous constatez cette évolution de la demande pour votre produit? Bonjour d'abord, je vous remercie pour votre invitation et Ramadan Karim à tout le monde et toute l'équipe bien sûr. Merci. Justement que je suis rentré d'Alger exceptionnellement sur Constantine pour un petit peu gérer la situation car nous dans la vinaigrerie, on n'a pas le droit de dire que c'est pas disponible ou bien il y a une rupture, sinon il va y avoir un accroissement, une très 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 forte demande. D'ailleurs, nous avons augmenté notre production en 2x8, même 2x10, et on n'arrive pas à faire satisfaire tous les conditionneurs ou les producteurs, surtout les sauces. Maintenant, les sauces mayonnaise et les vinaigrettes, ça double et ça triple. Et ces grandes enceintes, essaye de faire des remises de Pâques, donc qu'est-ce que ça va engendrer sur notre production. C'est pour cela que vraiment, comme l'a dit M. Ziani, la consommation algérienne le jour du mois de Ramadan, il double, il triple, il quadruple. Comment est-ce que vous appréhendez, je veux dire, chaque année, nous le savons, que Ramadan exige la présence en grande quantité de certains produits très prisés. Est-ce qu'on se prépare à cette demande? C'est l'habitude, parce que chaque producteur ou industriel a l'habitude. C'est des périodes, soit vous avez hivernal ou bien l'été ou bien en basse saison. Que il faut tout prévoir, c'est toute une planification. Mais est-ce qu'on y a une exactitude? Est-ce que le producteur a des craintes de produire en surplus pour un marché qui ne va pas finalement consommer tous ses stocks? Tout dépend des filières, parce que vous avez des filières qui ont des produits qui ne sont pas périssables, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui ont des produits qui sont périssables et de courte durée, là oui. Donc c'est toute une gymnastique et étude de marché avant de se lancer. Mais généralement, c'est-à-dire que généralement, à mon avis, que
les producteurs ou les industriels en savent et en sachent ce qui leur concerne le futur. Oui. La question également que je vous pose en tant qu'opérateur, et c'est là où je vais faire un tour de table aussi, c'est est-ce que les gains pour une entreprise qui fabrique des produits très demandés triple également, on parle de production. Est-ce qu'il y a une vraie croissance enregistrée par ces producteurs? Bien sûr, il y a une croissance de production. Oui. Mais il n'y a pas une croissance sur les prix, attention. Parce que là, nous sommes en train On vend quand même plus, même si on ne vend pas au... Le prix est fixe. Pas la marge. Mais il n'y a pas que les prix fixes, mais aujourd'hui, les marges sont réduites. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes en train d'installer un esprit entre les industriels et le ministère du Commerce de façon à essayer d'arriver à un plafonnement de prix à ne pas dépasser. Est-ce que c'est normal, monsieur, restez avec nous, monsieur Ziani, monsieur Noued, j'essaie de partager équitablement la parole. Monsieur Noued, est-ce que l'entreprise productrice est une entreprise commerciale? Elle doit faire des bénéfices. Est-ce qu'on peut avoir soutenir autant cette production et fixer des prix, des prix de les bénéfices ou est-ce que c'est dans la logique du code du commerce ou pas? Moi, je dis que l'agriculture, c'est le marché. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est le marché. On ne peut pas décider autrement. Je dis le marché, c'est lui qui est là. Il y a la taille également, la taille critique donc, de la production. Et toute marge, quelqu'un qui vend plus, donc il gagne plus, automatiquement. Monsieur Ziani dit, on vend plus, non, mais on ne vend pas, mais on ne gagne pas plus. Le marché, je dis aujourd'hui, on est sur le marché, il y a un seul marché. Aujourd'hui, oui, on peut administrer un prix, on peut fixer un prix administré. Là, oui. Mais un prix libre, il faut laisser la concurrence. Parce que quel que soit le prix, on peut peut-être descendre ou peut-être pénaliser ou peut-être enrichir d'autres. Donc aujourd'hui, laissons le marché faire. Et quand il y a cette concurrence au niveau de Ramadan, on voit que les prix sont plus ou moins... C'est vrai, la première semaine, on sent qu'il y a un chauffement des prix, mais après, on voit une stabilité et puis on voit même une reçue des prix. Parce que le bonhomme, il assure déjà un chiffre d'affaires, donc au niveau de marge, oui. Il peut toujours négocier le rabais, il peut toujours jouer. Donc là, je dis, au niveau de Ramadan, c'est ça un peu l'idée managériale, parce qu'aujourd'hui, quand on sait qu'on a une courbe au niveau de notre commerce, qu'on a un pic au niveau de notre commerce, on se prépare, on n'attend pas. Et puis, c'est récurrent, le Ramadan, il est là. Ce n'est pas un truc qui arrive d'une manière conjoncturelle. Il est là chaque année. Et chaque année, on a actuellement pratiquement la même tendance, pratiquement les mêmes produits. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les distributeurs maîtrisent bien le concept Ramadan. Ils maîtrisent bien les contours. Ils maîtrisent bien le périmètre de Ramadan. Donc ça, c'est... Donc c'est, l'entreprise est censée connaître une bonne croissance, de bons gains et donc une croissance. Une entreprise qui n'est pas, qui n'est pas d'actualité... Qui fait plus de bénéfices pendant ce mois. Et tout ça, Ramadan, vous allez voir uniquement au niveau des médias, au niveau de la télé, au niveau de la publicité. Médias, la publicité, les gens paient la publicité pour vendre plus. Ils poussent les gens à acheter n'importe quoi. Parce que c'est là à peu près le Ramadan. C'est que les gens consomment parfois parfois orientés vers la consommation. Parce que c'est là le matraquage. Il y a ce matraquage publicitaire qui, quand même, élargit le spectre de produits. On voit la télé, une marque, on la retrouve sur le supermarché, on va l'acheter. Donc on a toujours l'esprit. Et là, cette tendance-là à l'augmentation, les gens la préparent. Quelqu'un qui a investi dans la publicité, ce qu'il sait, il met de l'argent pour vendre une quantité donnée. Donc là, les gens la préparent. Même si c'est un nouveau produit, même si c'est un produit qui n'a pas de valeur, mais ils essayent de le commercialiser fermement. Donc là, je pense une entreprise digne d'une entreprise a dans sa vision ou son plan stratégique, elle a quand même Ramadan comme un point de mire. D'accord, mais est-ce que les entreprises...
Oui, Monsieur Ziani va répondre à Monsieur Nouad. Allez-y, c'est bien qu'il y ait un échange comme ça. Je dirais que c'est vrai que c'est une stratégie managériale peut-être universelle, mais celle-ci, elle a deux concepts qui sont différents. Il y a Ramadan et Ramadan en Algérie, avec un pouvoir d'achat limité, avec un État qui soutient l'énergie et la main-d'œuvre algérienne. Donc c'est une main de fer dans un gant de velours économique différente. On peut les voir un peu avec un aperçu complètement différent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise qui produit, qui fait de la publicité, qui va avoir 1 million de kilos à vendre, etc. Il y a un pouvoir d'achat. Tout à l'heure, j'ai lancé le mot plafonné. Ça ne veut pas dire que les marges sont plafonnées, les marges sont libres. Mais plafonnées par rapport à un pouvoir d'achat algérien qui sont des prix équitables. Donc aujourd'hui... Oui. Oui, comme, expliquez-nous, enfin, à partir de l'idée que l'entreprise est censée faire du chiffre et que l'entreprise, pendant Ramadan, vend plus, produit plus et doit connaître de meilleurs gains. Bien sûr. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure, si je reviens au premier raisonnement, le mois de Ramadan, c'est un trimestre de production. Donc aujourd'hui, l'entreprise peut baisser sa marge tout en plafonnant son produit fini, oui, en produisant plus pour un marché donné. Parce qu'aujourd'hui, on travaille pratiquement un trimestre, c'est un gain de 3 mois. Donc, il est partagé entre le gain de l'entreprise et la promotion du produit pour l'année d'après et l'année continuellement. C'est très important. Vous en pensez quoi, Monsieur Mohamed Abdelrahman Hadif, sur cette équation de Monsieur Ziani, donc produire plus, en fait faire plus de gains que les autres mois, et donc travailler sur le plan pour un plafond fixe le prix. D'une logique arithmétique, effectivement, on doit gagner plus. Mais là, je pense que depuis un certain temps, ces dernières années, il y a eu quand même une entente. Déjà, et une adhésion des producteurs avec une politique sociale du pays. Si on constate ce qui est décidé à chaque Ramadan, c'est que les producteurs baissent déjà de leur marge durant le mois de Ramadan. C'est donc, ça, ils baissent leur marge. Oh, effectivement, il y a certains produits qui sont vendus moins cher que d'habitude pour l'occasion de Ramadan. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se l'est pas fait à longueur d'année? C'est un effort, parce qu'il y a un autre paramètre que M. Ziani avait cité aussi, c'est que c'est des produits subventionnés par l'État. Donc l'État demande à un moment donné un effort aux producteurs, oui, aux industriels, surtout durant le mois de Ramadan, mais surtout avec un pouvoir d'achat qui a été... Donc c'est valable que pour les produits subventionnés. En général, mais le producteur, il est libre de faire un effort pendant une certaine période, surtout lorsqu'on voit qu'il y a le principe d'économie d'échelle. Aujourd'hui, M. Ziani dit que pendant un mois, on produit pour la quantité d'un trimestre. Oui. Donc, il y a des quantités supplémentaires qui sont produites. Donc, on a la capacité de faire jouer les principes de l'économie d'échelle. Donc, on peut baisser les marges pour gagner la même chose, ce qu'on a pu gagner pendant un mois. Donc il y a cette agilité chez les producteurs, mais il est très important de reconnaître qu'il y a un effort aussi des producteurs, sur demande des pouvoirs publics, parce que c'est une équation qui doit aller dans le sens, dans l'intérêt des deux parties. Le producteur doit produire et gagner, ne pas perdre. Ça, c'est. Vous n'êtes pas perdant, monsieur, monsieur Ziani, monsieur. Non. Non, on n'est pas perdant. On passe de 30 à 15 ou à 10. C'est tout simplement. Voilà. Marche, c'est tout. Voilà. Donc, c'est un peu. On multiplie le mois, on récupère les 30 et 40. Voilà. C'est un peu ça. C'est donc, je pense c'est un principe, quand même, qui est assez équitable. C'est un problème d'échelle. C'est un problème d'échelle. Du moment que je vois, parce que le marché, il est là, surtout le marché agroalimentaire. Oui. Le marché agroalimentaire, il est là. Il y a la concurrence, il y a le spectre de la concurrence. Je dis, si mon concurrent essaye deux, je vais essayer deux. Mais je gagne d'abord. Il faut que j'arrive à assurer mon gain. Je dis aujourd'hui, supposons que le mois de Ramadan, c'est un trimestre. Ça veut dire que je joue le mois. Il faut que je me retrouve dans mon mois. Et de 2 mois, je vais essayer de vendre plus. Je vais essayer de monnaie. Et c'est la concurrence
qui est facteur. Maintenant, quand on dit subventionner ou quand on dit subvention, c'est une autre dimension. Quand l'État subventionne, c'est un prix administré. Donc c'est un prix normalement qui est fixé, administré. Donc il y a un prix administré. Aujourd'hui, quand on dit, on est ouvert sur un marché, on est dans la mondialisation, il faut aujourd'hui accepter le principe. Et aujourd'hui, je ne vois pas, moi, sur l'entreprise dans l'agroalimentaire, je fais mon business plan. Mon business plan, il est basé sur Ramadan où je gagne plus. Oui. Donc c'est là où je vais essayer de chercher le gain. Oui. La compétitivité, je vais la chercher là. Oui. Je vais pas la chercher là où ça traîne, où c'est stabilisé, où je peux pas. Donc on joue sur la disponibilité, sur le prix. Vous parlez de la croissance. La croissance, elle émane des consommateurs. Parce que la croissance, elle est pilotée par la consommation. Bien sûr. Du moment qu'il y a une croissance aujourd'hui dans la consommation, oui. Elle est multipliée, je ne sais pas, on dit de 30 à 40 à 50, et parfois pour certains produits triplés. Donc c'est là la croissance. Et les entreprises aujourd'hui vont essayer de prendre l'opportunité, de saisir l'opportunité. Là où il y a le maximum d'opportunités, ils vont mettre le paquet. Parce que c'est là où je ne vois pas quelqu'un qui fait une publicité et qui n'attend rien. Donc si en fait demain je veux vendre un produit, oui, oui. Je fais un matraquage, c'est que je vais. Et le gain là, je l'ai mis déjà en publicité, j'ai investi au niveau publicité. C'est vrai aujourd'hui, on peut, la marge, à la fin, c'est pour ça que Ramadan, il est caractérisé par un cycle pratiquement de trois parties. Vous avez la première partie où c'est une montée vertigineuse, vous avez une stabilité et puis une déclinaison. Oui. Donc là, c'est Ramadan. Ramadan, il est en trois cycles. Il y a le cycle. Pourquoi on dit toujours aux gens, la première semaine, il faut éviter de faire des folies, parce qu'on risque de l'avoir au niveau de notre budget. Mais donc ça, c'est connu. Donc on n'est pas d'hier. C'est un cycle qui revient chaque année. Il est vérifié, il est statistiquement. Je pose une question à M. Terk Boulmerka. Alors, deux questions en une. Hein. Est-ce que justement ce pacte qui est conclu avec le ministère du Commerce pour maîtriser les prix des produits à la vente et pour les augmenter, et donc il y a une unification des prix sur les mêmes produits, c'est cela? Et est-ce que ça fausse un peu la concurrence entre les opérateurs si les prix de leurs produits sont identiques? Non, c'est-à-dire que la qualité, ça se paye. Oui, je comprends. Laissez Monsieur Terk Boulmerka et vous aurez toute la parole pour nous expliquer ça. Est-ce que ce pacte d'uniformiser un peu les prix, de réduire les bénéfices ou pas pour tous les producteurs sur les mêmes produits, on a un prix unifié. Est-ce que ça impacte les règles de la concurrence, Monsieur Boulmerka, sur vos produits? Le pacte qui a été signé par le ministère du Commerce, l'industrie. Donc, c'est une affaire de conviction. Maintenant, si l'État fait confiance au producteur, le producteur, il fait de même confiance aussi à l'État. Donc, c'est pour cela que les tous producteurs sont unifiés, surtout pour le mois de Ramadan, oui. La disponibilité des produits, oui. De ne pas, bien sûr, augmenter, faire la spéculation, de ne pas augmenter. Moi, je suis d'accord pour ne pas augmenter. Quand même, c'est un seul mois dans l'année, oui. Même dans toute l'année, s'il y a 11 mois, 12 mois, oui. Il ne faut pas en profiter sur le dos des gens. Consommateurs. Sont, voilà, des consommateurs. Est-ce que cette production qui est mise sur le marché de manière plus volumineuse, elle impacte les quantités et les quotas exportables? Le mois de Ramadan, ça va un petit peu pénaliser l'export. Mm-hmm. Il y a une forte demande au marché national. Ah ben oui, oui. Et une forte demande au marché international à l'export. Les importateurs ou bien les traders ou bien les fabricants qui veulent exporter n'ont pas les moyens ou ne sont pas structurés. Ce qui fait ça va faire une pression et ça va une perte de bénéfices pour l'export, bien sûr. Mais pour le marché national, je comprends que tous les opérateurs essayent de mettre la main dans la main pour ne pas spéculer et avoir une marge minimum. Parce que si on vend du volume, nous avons notre marge. C'est pas la peine de profiter que, bien sûr, c'est un mois sacré,
que tout producteur est conscient de et professionnel. Parce que tout professionnel doit être vraiment à la page. La question que je vais, sur laquelle je vais enchaîner et sur laquelle va intervenir en après vous, Monsieur Ziani, c'est... est-ce que, alors il y a une production qui intervient avant Ramadan, donc je suppose, avant Ramadan, sûr. Mais pendant aussi, est-ce que la productivité, c'est connu que pendant Ramadan, la productivité, c'est-à-dire l'effort physique ou même intellectuel des jeûneurs est réduite, même le temps de travail est réduit, est-ce que ça joue également sur la rentabilité, sur la production? Même sur la rentabilité, nous on prépare déjà deux mois, la campagne deux mois à l'avance. Mais quand on est en plein boom, en plein travail, c'est le grand souci, c'est les pannes qui ne sont pas vraiment... Soit vous faites de la maintenance ou vous faites vraiment quelque chose de bien, mais en fin de compte, quand on tire beaucoup sur la machine, vraiment on travaille à plein temps, 120% par exemple, là c'est des surprises, c'est des aléas, donc même nous actuellement... Mais c'est pas le premier ramadan non plus, c'est-à-dire les ramadans sont identiques. Oui, ils sont tous identiques, il y a de la pression, vous avez le personnel qui est vraiment énervé, donc au lieu de se coucher trop tôt, il se couche tard, il veille. Donc, ça va être sur la santé. Il y a un impact. Oui. Alors, on parle de la supply chain, la chaîne logistique. Alors, vous êtes tenu de faire l'effort de produire, mais est-ce que avant de produire, vous avez besoin de matières premières? Vous avez besoin de la matière importée, de son acheminement, vous avez besoin de sous-traitants pour le conditionnement, pour le transport, etc. Comment se passe pour vous, justement, cette chaîne logistique? Est-ce qu'elle est dans la même logique de l'effort de production, de rapidité, de coût également, qui vous permet de maîtriser vos coûts sur les marchés? Écoutez, vous m'avez posé une bonne question. D'ailleurs, M. Ziani est au courant. Ah, ben c'est lui qui l'a insufflé en premier. Elle était même prévue, mais c'est l'essentiel. Donc, comme matière première, vinaigrette, c'est la matière première, c'est bien l'alcool éthylique. On peine à l'avoir. Les quotas sont vraiment très minimes. D'ailleurs, je demande au pouvoir public de laisser tous les importateurs, tous les fabricants de vinaigre à importer leur propre matière première, qui est l'alcool éthylique. Quoique l'alcool éthylique pour le vinaigre, c'est pas quelque chose qui est très très bien raffiné. Nous avons un très grand manque. Donc pour satisfaire le marché national, on peine à le satisfaire. Et c'est chaque année, c'est le même rituel depuis le Covid. Hein. Donc nous, en tant que vinaigrier, nous sommes deux en Algérie qui restent. Si on ne nous encourage pas vraiment à continuer dans notre chemin, on peut mettre la clé sur le paillasson. Hein. Ce n'est pas ce qu'on vous espère. On a besoin de vinaigre. Monsieur Ziani, à Abdelouahed. J'espère qu'il est là. Vous êtes avec nous? Oui. Alors, encore une fois, je vais vous rajouter une troisième, trois en un. La première, c'est... Est-ce qu'on sait prévoir une produit, c'est-à-dire est-ce que l'augmentation de cette cadence de production, il faut bien la définir. On augmente par deux fois, on augmente par trois fois. Quel est le rythme de la productivité également des éléments dans l'usine? Et puis la supply chain, la chaîne logistique, on demande un effort aux producteurs en matière de volume, mais est-ce que toute la chaîne suit? C'est-à-dire réactivité, rapidité, disponibilité de la matière première, son acheminement, également l'effort qu'on est censé faire sur toute la chaîne, tous les acteurs, tous les intervenants qui permettent à l'entreprise de réduire le coût. Ben, tout d'abord, un peu plus de temps pour que je puisse m'exprimer parce que par rapport à ça, en dehors des produits qui sont périssables, qui sont comme les produits laitiers, le yaourt, Il y a beaucoup de bruit là où vous êtes. Est-ce que... Beaucoup de bruit de mon côté. Ah, on entend la même chose ici.
C'est peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Monsieur Tarek, oui. Si vous avez du bruit quelque part, si vous êtes en train de réparer votre machine, éloignez-vous. Allez-y, monsieur Ziani. Donc, je voulais vous dire, en dehors des produits périssables où la chaîne produit sans arrêt, c'est 3 x 8, c'est vrai, par exemple, comme les produits laitiers. Mais en dehors de ces produits laitiers qui sont dépérissables, qu'on produit continuellement, bon, généralement les produits comme les yaourts, etc., diminuent la cadence de la consommation. Le consommateur passe à autre chose, il fait ses propres préparations, mhalbi, etc., à base de lait, et beaucoup d'autres préparations laitières. Pour le mazhab, Oui, oui, mazhab. Nous, nous produisons du mazhar aussi, je suis producteur, nous produisons le concentré de mazhar pour les fabricants de mazhar. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à la supply chain, tout industriel qui a étudié son ramadan de l'année dernière ou pendant le Covid ou avant le Covid, doit comprendre que d'abord, le mois de ramadan doit être un mois de distribution et une légère production. Parce que les autres mois se préparent, quand je dis on donne à consommer, la consommation passe à 3 mois, en fait, nous, on produit plus les 2 mois qui sont avant. Là, on a produit pendant janvier sans arrêt, pendant février sans arrêt, pendant décembre sans arrêt, pour faire un stock et pour faire face, justement, à la distribution du mois de ramadan. C'est ça. Donc, la supply chain s'étudie. Donc, la seule chose, c'est que chaque année, elle recule de 15 jours, entre 10 et 15 jours par rapport à la période. Et la période, à chaque fois qu'on recule, ça dépend de la période. Par exemple, il y a des périodes où nous étions en été, c'est beaucoup plus les boissons qu'il faut les préparer 4 mois à l'avance. Là, c'est différent. Les boissons ont un peu diminué, mais il y a d'autres produits qui ont repris. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent par rapport à la supply chain entrer en jeu. Et je pense que toute entreprise, c'est vrai que... Et la matière première, par exemple, est-ce qu'il y a des facilités d'importer en prévision de Ramadan? Ceci est du ressort des autorités publiques. Aujourd'hui, nous sommes au mois... Il n'y a pas que les autorités. Ça, je suis désolé, les autorités, on doit les mettre de côté. Quelle que soit la bureaucratie, la lenteur du transport, la supply chain, tout ça doit être étudié. Donc, Ramadan, c'est très spécifique. Donc, une entreprise qui travaille et qui inclut Ramadan dans son planning, elle est obligée d'avoir des matières premières un trimestre bien avant Ramadan pour bien vivre et alimenter Ramadan. Donc, un bon chef d'entreprise doit faire ses prévisions et inclure justement ce pic de 3 mois en 1 mois. Et donc, beaucoup ce n'est pas le cas pour tous les produits, évidemment. C'est vrai, ce n'est pas tous les produits, mais la majorité aujourd'hui, je dirais plus que 70% des entreprises algériennes font du surstock pour faire de la distribution et une production légère au niveau de Ramadan. Parce que là, il faut dire que c'est très difficile d'avoir des employés pendant 3 x 8 ou 2 x 8, ou même 1 x 8. Donc, c'est très complexe, mais produire avant, avoir un stock en produit fini qui soit produit à la consommation ou une semi-matière première aux industriels, il faut qu'on soit déjà plombé bien avant. Et je pense que les gens qui sont intelligents, qui travaillent, qui sont dans un domaine qui tiennent un peu la supply chain annuel, travaille à l'aise pendant ce mois de Ramadan. Et là, vous parlez d'un cas de figure idéal, c'est-à-dire faire ses stocks quelques mois auparavant, se donner le temps. La majorité, on ne parle pas du cas du vinaigre, là c'est vrai que... Mais il y a l'huile aussi, il y a l'huile pour ne citer que l'huile, le sucre peut... Oui. L'huile se stocke, le sucre se stocke, la farine se stocke, tout ça c'est un travail qui doit être stocké. Bien avant Ramadan, vous imaginez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de produire pour alimenter le marché national en huile, en concentré de tomate, en farine, en sucre, pendant ce mois. Jamais. C'est nos stocks du mois passé que nous sommes en train de mettre. Et nous produisons une cadence normale pour justement combler le différentiel de stock par rapport à des pics. Sinon, et donc, c'est comme ça qu'on arrive à contrecarrer, si on arrive à contrecarrer la spéculation. Exactement. Est-ce que la spéculation, elle a deux choses. La spéculation, elle détient aussi, elle a une responsabilité avec la distribution. Aujourd'hui, nous sommes en train de contourner cet enjeu. La spéculation, c'est très simple. Pour la casser, c'est de l'industriel au consommateur algérien. C'est la promotion directe. On ne veut pas tuer le grossiste qui est le distributeur. Oui, oui. Nos invités ne sont pas d'accord avec vous, M. Abdelrahman Hadef. Je ne suis pas d'accord.
Moi, je Attendez, suis un homme de terrain. D'accord, laissez-le vous dire quelque chose. Allez-y, dites-moi. Voilà, et après vous réagissez. Monsieur Abdrahman Hadef. Non, je pense que la distribution, ce n'est pas du ressort du producteur. Donc, lorsqu'on dit que du producteur au consommateur, là, ça devient... Il y a des maillons qui vont sauter, qui sont aujourd'hui normalement nécessaires. À mon sens, la grande distribution doit être réorganisée. On a besoin de ce qu'on appelle les grandes centrales d'achat qui font ce rôle, mais des activités bien organisées. Ce n'est pas des activités dans l'informel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'avais pas fini parce que j'avais pas fini pour dire. Désolé, c'est incroyable. Désolé. Non, j'avais pas fini pour dire avec plaisir, mon frère. Mais je voulais vous dire qu'aujourd'hui, à défaut de quoi nous avons fait ça, du producteur au consommateur. Pour Ramadan. À défaut de la grande distribution qui ne joue pas son rôle et qui n'est pas assez installée dans notre pays. Et je pense que le ministère du Commerce aujourd'hui est en train d'installer une trentaine de grandes distributions. Malheureusement, elle n'est pas au rendez-vous cette année au mois de Ramadan. Mais courant d'année, on va en voir des grands groupes qui vont s'installer. Nous, ça nous soulage parce qu'il n'y aura pas de spéculateurs. Il y aura la part qui revient aux grossistes et aux distributeurs. Il y aura aussi spéculateurs, ce sont les intermédiaires. Et là, ce sont les intermédiaires qui viennent acheter et qui viennent aller empocher quelque part et qui reviennent sur le marché avec des grands prix. Voilà. Non, je pense que effectivement, c'est Abdelwahab. Là, on a un vrai besoin de réorganiser la grande distribution, surtout dans les activités de la vente en gros, ce qu'on appelle aujourd'hui les super grossistes. Généralement qui maîtrise le marché en intermédiation. Là, on a vraiment besoin d'aller vers une nouvelle forme d'organisation. C'est pour ça que j'avais évoqué les grandes centrales d'achat. C'est des organisations qui peuvent être même en PPP. Hein. C'est, privé et public. Oui, en partenariat public-privé, parce qu'aujourd'hui, le public dispose d'infrastructures. Le privé dispose de la connaissance du marché. Maintenant, il faut qu'on ait fait un arbitrage. Rien que les surcs voilà. Permettront de... Il faut qu'on fait un arbitrage aujourd'hui et appeler ces gens qui sont dans la grande distribution, qui se sont enrichis à un moment donné, au détriment des consommateurs et des producteurs, il faut le reconnaître. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'était les maîtres de la place. Oui. Aujourd'hui, il est important. D'ailleurs, j'avais même proposé... Des mécanismes pour un peu réguler ces activités. Aujourd'hui, je trouve du mal à comprendre pourquoi on continue à donner des registres de commerce pour des personnes physiques. C'est pas normal. C'est la même chose par rapport au système de facturation qui n'est pas encore intégré. Nous avons besoin d'un système d'information, de facturation intégré. Lorsque le producteur facture, producteur ou importateur facture son produit, c'est connu. Et là, on n'a pas encore, on ne dispose pas de ça. Donc, il est important aujourd'hui. L'informel est d'ailleurs, j'ai aussi... bien apprécié que le ministère du Commerce, dernièrement, on avait vraiment parlé de cette thématique, surtout par rapport aux grandes centrales d'achat. Parce que si ce n'est pas seulement pour le marché national, lorsqu'on parle de centrales d'achat. C'est ces centrales d'achat qui font du business intelligence, de l'intelligence économique, qui maîtrise les marchés, qui maîtrise les coûts, qui rassure les producteurs. Parce qu'un producteur est là pour produire. Il n'est pas là pour chercher les clients. Oui, le producteur... S'il a une grande centrale d'achat en face de lui, qui l'assure de prendre toute sa production pendant l'année, là, le producteur va exceller, va aller vers la performance. Là, le producteur va aller vers le développement. Parce qu'aujourd'hui, nos producteurs sont vraiment plombés. Qu'est-ce qui remplace la les centrales d'achat aujourd'hui chez nous? Qui remplace? C'est les intermédiaires, il faut le reconnaître. Mais qui ont des registres de commerce aussi, hein, qui sont des distributeurs, des grossistes distributeurs. Je laisse le mot. Moi je reviens à la notion de filière, parce que tout est la remontée de filière. S'il n'y a pas une remontée de filière, on est en train de parler dans le vide. La remontée de filière, quand on dit une filière est stable, c'est une filière qui a pratiquement toutes les chaînes sont reliées.
Tous les maillons, oui. Et lorsqu'on parle de chaîne de valeur ou de chaîne logistique, elle est à l'intérieur. Donnez-nous des exemples. Je vous donne un exemple très simple. Une chaîne remontée de filière, on parle aujourd'hui d'une chaîne. Les viandes, les viandes. Une filière, je parle de viande. Donc, je parle de la chaîne de viande. Donc, il y a l'éleveur, il y a le maquignon, il y a le chevillard, il y a l'abattoir. Il y a l'abattoir et on a un réseau de distribution. Un réseau de distribution, il est différemment conçu. Maintenant, le meilleur réseau de distribution, c'est là on dit rentrer dans la compétitivité. Ça veut dire éviter le stockage, éviter l'éco-transport, aller vers les centrales d'achat. C'est ça. Est dans une compétitivité. Est dans une compétitivité. Et là, on essaie de gagner au maximum. On essaie d'aller vers une plus-value absolue. Maintenant, si on n'est pas dans cette logique de filière. On a des cassures et on dit la filière, c'est comme une chaîne. Et il se fait un maillon, en ce cas, il entraîne tout avec lui. Et nous, quand le distributeur il a mal à la tête, c'est toute la chaîne qui est malade, y compris le producteur. Donc aujourd'hui, si on arrive à moraliser cette filière et on la met dans des conditions, dans un écosystème favorable, là, je pense que chacun aura sa place. Et tout sera déterminé. On parle aujourd'hui de centrales d'achat, on parle de grandes surfaces. Là, Jiri avait quand même une expérience dans ce cadre-là. On avait dans chaque quartier, pour ne pas dire dans chaque quartier, une grande surface. Donc, là, on pouvait pas. Là, à un moment, on peut parler de régulation, on peut parler de sécurisation de producteurs, on peut parler également de la stabilité des prix. Exact. Et être stabilité. Et puis, quand chez nous, aujourd'hui, dans les produits agroalimentaires, on parle aujourd'hui de matières premières, on parle de produits frais, on parle de... C'est normal aujourd'hui que la volatilité des prix est telle qu'on l'observe aujourd'hui. Les stocks et les achats faits il y a 2-3 mois ne sont pas ceux qui sont... Je dis chez nous dans le jargon industriel, une entreprise qui n'a pas un stock de sécurité minimal de 3 mois, je ne vois pas ce qu'elle fait dans le métier. Minimal, 3 mois, idéal, 6 mois de stock de sécurité. Et quand on a un mois de pic, on augmente le stock. Donc, d'abord, on l'augmente et puis le stock est toujours renouvelé. Ça veut dire qu'à tout moment, j'ai 3 mois de stock minimum. À tout moment. Mais quand le mois de carême, même si j'utilise, je renouvelle au fur et à mesure que je renouvelle mon stock de sécurité qui va être à tes données égal à 3 mois. Donc là, pour dire aujourd'hui Ramadan, parce qu'on oublie, des fois on oublie Ramadan, on est quand même, je sais combien d'années qu'on fait carême, donc Ramadan il est connu. Le problème il est fixe, se pose de la déplace, même manière. Même s'il se déplace de 10 jours, il a toujours les mêmes principes. Oui, oui. Donc aujourd'hui, une entreprise qui se respecte, une entreprise qui a une visibilité, une entreprise qui a une planification, une entreprise qui a des réseaux, attention, parce que s'il n'y a pas de réseau aujourd'hui, je ne pense pas. Je suis dans le métier pendant 30 ans. Si tu n'as pas un réseau de distribution légal et tu n'as pas un réseau d'approvisionnement légal, je ne vois pas quel est. Et là, on crée, c'est là le débordement et c'est là le dérapage. Et on crée, on favorise l'intermédiaire, on favorise la spéculation. C'est nous qui le favorisons. Parce que si tout le monde est dans la filière, bien huilée, bien structurée, il n'y aura pas de faille parce que chacun. Chacun joue, c'est comme une partition de musique, chacun a une partie à jouer. Oui. Et l'autre reprend le volet. Et là, on ne laisse pas le vide. Et quand on laisse le vide, voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et on parle aujourd'hui que je baisse la marge. C'est la loi du marché. Quand on augmente, acheter 10 choses ou acheter 1000 choses, ce n'est pas le même prix. Même en négociant, la force de négociation. Quand je négocie 1000, ce n'est pas quand je négocie 10. Et je peux répercuter ce que je gagne. En gain, le répercute parce que je dois vendre plus par rapport à mon concurrent qui achète 10. Il ne peut pas descendre le prix, moi je peux descendre pour occuper le marché, récupérer des parts de marché. Et là, c'est le marché est sans pitié. Aujourd'hui, il faut quand même laisser les gens rentrer dans la compétitivité, laisser les gens aller vers la concurrence. Et là, vous allez voir qu'il y aura une régulation d'elle-même, qui se fait d'elle-même, et puis le marché sera bien alimenté. Également, je reviens sur un point de matière première dans l'agroalimentaire. Je vous dis qu'aujourd'hui, on valorise aujourd'hui que 10% de nos productions agricoles. Alors que la moyenne africaine, elle est de 50%, la moyenne chez les pays développés, elle est de 90%. Donc aujourd'hui, si, et puis aujourd'hui, les industries, je prends les grands pays, les industries agroalimentaires représentent parfois dans le domaine industriel jusqu'à 80-90%.
mine de rien, l'Algérie, avec tout ce qu'on a, on est 50% en matière de... elle représente plus de 50% au niveau des industries, que ce soit en BIP ou là en valeur ajoutée. Monsieur Abdelwahab Ziani. Oui. Oui, et monsieur Tarek Boulmerka, vous répondrez tour à tour. Évidemment, l'agroalimentaire est très dépendant de l'agriculture elle-même. Le pacte qui a été pris, qui a été conclu avec le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, pour faire rencontrer le producteur avec le vendeur, quels sont les termes de ce pacte avec le ministère du Commerce? Donc les producteurs agricoles sur les marchés et vous-même, vos produits sur le marché directement en contact avec le consommateur. Est-ce que c'est ça? Écoutez, tout d'abord, je voulais vous dire, ça ne représente pas énormément de choses, énormément de chiffres en pourcentage par rapport à ce work de fellah qu'on a fait, etc. C'est juste pour essayer de réordonner une mentalité entre le producteur, le distributeur et le dernier revendeur et le consommateur, l'épicerie ou la supérette. Donc aujourd'hui, nous, on a joué le jeu, on a fait un deal avec nos institutions pour dire, même nous en tant que producteurs, nous sommes lésés. Nous sommes lésés, pourquoi? On produit un produit à 50 dinars, on le retrouve sur le marché à 200 dinars. C'est pas normal. Nous avons 30% de notre marge ou 20% de notre marge dans les 50. Mm-hmm. Comment ils se retrouvent chez le consommateur à 200 dinars? Donc là, on trouve que c'est aberrant. On a élevé une société de consommation où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible par rapport à ces prix-là. Et la spéculation a pris part. Donc aujourd'hui, ce que nous avons fait ici, c'est pas énormément. Ça ne représente même pas 10% de ce que nous sommes en train de vendre. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour accorder ce prix préférentiel? Bien sûr, c'est juste pour dire, voilà les prix qui doivent se pratiquer sur le marché par rapport à un pouvoir d'achat. Donc vous avez mis les prix sur les produits déjà pour identifier. Il y a les prix affichés, il y a aujourd'hui les marchés qui sont en train de vendre dans toutes les wilayas où il y a une petite marge en plus pour le consommateur pour ne pas casser la supérette ou la petite épicerie. Et à ce moment-là, les gens se rendront compte que les prix réels sont exactement de 55 dinars et non pas de 200 dinars. Il y a certains producteurs qui ont même affiché le prix sur leurs emballages pour dire attention, notre prix de vente, il est de 100 dinars, il n'est pas de 200 dinars. Donc nous sommes en train de rééduquer un peu tout un marché pour dire, Yajmaha, soyons sages, voilà un peu la société, comment elle se configure. Oui. Le producteur, c'est pas le plus riche, il est en train de prendre des petites marges, et il voit ses produits sur le marché qui sont en train de massacrer un marché pour le consommateur. Donc c'est juste, on a étalonné un peu le marché. Mais je voulais vous dire qu'aujourd'hui, si on arrive à réguler avec toute la supply chain, je suis tout à fait d'accord, comme le disent mes collègues sur le plateau aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord que si les professionnels s'installent pour la distribution, nous, on est en surcapacité de production. On peut faire beaucoup plus par rapport au pays. Et là, on s'occupe de l'exportation. Nous sommes surinstallés en machines industrielles et on peut travailler. Quand la régulation se fait, quand la prévision se fait, nous, on peut aujourd'hui, nous pouvons agir sur l'exportation parce que nous avons beaucoup de machines et aujourd'hui, la majorité ne travaille pas trois. Qui doit faire les prévisions? Qui doit faire les prévisions? C'est l'organisation du marché de la supply chain. C'est les professionnels qui doivent s'installer sur la distribution parce que là, on aura un marché donné et bien fixé. Les règles seront bien faites et le surproduction pourra partir à l'exportation. C'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de nous tous. C'est les institutions et les producteurs, ils doivent tous s'organiser pour travailler ensemble. Est-ce qu'il y a un cadre pour cela? Est-ce qu'il y a mis les jalons? Comment ça doit s'exprimer, cette organisation? Parce qu'on en parle, on en parle. Oui, on en parle, mais nous sommes déjà en travail depuis l'année dernière avec les institutions, notamment le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a aussi les producteurs de produits frais, comme les légumes et les fruits. Et tout ça, c'est une organisation qui est en train de se faire... C'est une organisation formelle ou informelle? Non, elle est formelle, tout simplement parce que les institutions qui l'ont provoquée, et nous avons adhéré, donc à discuter, pour dire ne faites pas tout seul, faites avec nous, faites avec la capacité existante et réorganisons le marché.
et c'est en train de se faire. Est-ce que cette organisation a un nom ? Elle est identifiée ? Non, c'est pas une organisation associative. Nous sommes regroupés au sein du ministère du Commerce pour l'instant. Et peut-être demain, elle verra le jour différemment. Oui. Voilà. Je donne la conclusion à M. Tarq Boulmarqa de tout ce que vient de dire M. Abdelhab Ziani, c'est-à-dire faire de la vente directe est une solution, faire du surstock est une solution, et même si cette surproduction impacte un peu votre exportation, est-ce que vous restez, on va dire, vous avez cette croissance pendant le mois de Ramadan malgré l'alignement des prix? Non, pour ce qui est de l'alignement des prix, ça ne pose pas de problème. Donc je suis d'accord parce que d'abord il faut afficher l'affichage de prix, parce que vous avez vu, par exemple, il y a des supérettes, pas toutes les supérettes, l'affichage de prix est autre que quand vous passez à la caisse. Ça, c'est une réflexion qui a été émise par le ministère du Commerce, donc il y a le contrôle, il y a tout un contrôle dessus. Surtout que les gens essayent de spéculer sur ce fond-là. Bon, plafonner les prix, certes, c'est bon. Le ministère du Commerce se sont réunis avec les patronats pour que nous, on doit donner l'exemple soit aux producteurs, soit aux revendeurs. C'est de faire des prix qui arrangent tout le monde, soit le consommateur, soit le producteur, dans les deux sens. Mmh. Et vous me disiez que le stock, c'est toute une étude. Avant la campagne, c'est-à-dire pour moi, avant Ramadan ou bien l'été, avant la campagne, pendant la campagne et après. Bien sûr. Donc, pour faire le stock, il faut étudier le prix de vente et le stock lui-même. Hein. Il faut avoir les capacités de stockage. Soit la capacité de stockage, les prix qui fluctuent entre l'eau et le bas. Oui. Merci. L'émission est terminée. Merci beaucoup, M. Boulmarqa, M. Abdelhab Ziani, M. Abdelrahman Hadef et M. Mohamed Amqran Nouad. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci, Aïcha Hammer et toute la régie technique. Au revoir.